Merci de la fidélité à Gangan TV. Bienvenue dans cette émission Café Débat. Un plaisir pour moi de vous retrouver pour un autre numéro qui reçoit un nouvel invité. On parle économie, si vous voulez, budget. En tout cas, le ministère du budget sur le terrain de la rationalisation des dépenses. Et là-dessus, le ministre Doumbouya qui a pris l'initiative pour une première fois d'organiser ce qu'on peut appeler la revue annuelle des EPA, établissements publics administratifs. Pourquoi cette initiative? Quel est l'objectif visé par l'initiative? Les explications là-dessus, je reçois sur ce plateau Dr Mamadou Barry. Il est économiste, assistant du ministre du Budget. Monsieur Barry, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Bonjour Monsieur Diallo, merci pour votre invitation et je salue aussi vos aimables téléspectateurs. Merci de la disponibilité. Vous êtes économiste, un technicien donc du ministère du Budget, un proche collaborateur du ministre du Budget lui-même. Alors, on a constaté les jours passés que le ministère du Budget a lancé un communiqué, une information invitant tous les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des EPA à une réunion qui annonçait ce qu'on appelle la revue annuelle des EPA. D'abord, ce que je veux savoir, première question, qu'est-ce que c'est qu'un EPA? Effectivement, M. Diallo, il y a un projet pour organiser la revue annuelle des établissements publics administratifs au mois de septembre. Mm-hmm. Il s'agira de le faire à partir du 4 jusqu'au 6. Alors, pour commencer, puisque le but c'est d'expliquer à nos compatriotes ce qui est en train d'être fait au niveau du ministère du Budget, un EPA, donc un établissement public administratif, est une personne morale dotée d'une autonomie de gestion et d'une autonomie financière. Maintenant, lorsqu'on dit une personne morale, parfois ce n'est pas toujours clair. Mm-hmm. C'est une entité organisée, mm-hmm. donc c'est par opposition en fait à un individu. Donc, en Guinée, dans le système de notre économie ou notre budget, qu'est-ce qu'on peut décrire concrètement comme EPA, les services qu'on peut décrire à titre d'exemple en quelque sorte? Alors, les EPA sont nombreux et variés. Je peux prendre le patrimoine bâti, je peux prendre les hôpitaux. La Direction nationale du patrimoine bâti est un EPA? Non, il y a pas la direction en tant que telle. Voilà, mais il y a le patrimoine bâti qui existe comme une entité. Mm-hmm. Il y a ce que je disais, les centres universitaires qui peuvent être des EPA. Il y a pas mal en fait d'offices. Il y a des centres de formation aussi qui sont des EPA. Quelle est la spécificité des EPA? On peut citer l'OGP, on peut citer L'ARPT, on peut citer L'ARPT, ça se discute, Niasdin, tout à fait. Mm-hmm. Et pour que nos compatriotes comprennent, les EPA, en fait, c'est un instrument de fourniture de services publics à la base. Mm-hmm. En fait, c'est tout ce que l'État central ou l'administration centrale ne peut faire de manière satisfaisante ou qui demande des compétences spécifiques, mm-hmm. ce qu'on demande en fait aux EPA de faire. Bien. Aujourd'hui, le ministère du Budget décide d'instaurer cette démarche de revue annuelle des établissements publics administratifs. Quel est le constat que vous avez fait pour donc arriver à cette initiative de revue annuelle des EPA? Disons, le constat est qu'il y a à ce niveau une gouvernance qui n'est pas satisfaisante, en tout cas une gouvernance très perfectible. Lorsque vous prenez aujourd'hui la situation des EPA, c'est que le contrôle n'est pas bien fait, l'État n'a pas une idée très précise, par exemple, de ce que les EPA mobilisent comme ressources. Mmh. On n'a même pas une idée précise en réalité du nombre des EPA. Donc, le premier objectif, c'est pourquoi, c'est de recenser en fait les EPA. On s'est rendu compte aussi très vite, lorsque le ministre du Budget, donc Dr Mohamed Lamine Doumbouya, est arrivé à la tête de ce département en 2016, mm-hmm. il s'est rendu compte très vite et que les textes qui encadrent le fonctionnement des EPA ne sont pas toujours au complet. D'accord. Donc il y a par exemple des lois ou des décrets instituant des EPA, alors que les EPA là n'ont pas les textes qui encadrent leur fonctionnement au quotidien, par exemple les statuts, les règlements intérieurs. On s'est rendu compte aussi très rapidement, c'est qu'au niveau des acteurs qui animent ces EPA, il y a beaucoup de faiblesses. Mm-hmm. Vous pouvez être dans des situations du type où le comptable par exemple
est désigné par le ministère tutelle technique ou par le directeur de l'EPA, alors que c'est des compétences qui reviennent au ministère de l'économie et des finances. Ça peut paraître comme étant une question de taille, mais c'est une question importante parce que dans la gestion en fait des deniers publics, il est important de séparer l'ordonnateur de celui qui manie les fonds. L'ordonnateur, c'est lui qui décide de l'opportunité de la dépense. Est-ce que cette dépense est pertinente ou pas? Maintenant, après, c'est lui qui gère les fonds, l'acheminement des fonds, et c'est le comptable. Il ne faut pas que ce soit la même personne, ou en tout cas, le comptable ne doit pas être une personne inféodée au directeur ou désignée par le directeur pour éviter toutes sortes de copinage ou de malversation. Il faut noter aussi, c'est qu'il n'y a pas de tradition pour pas mal de nos EPA de redevabilité. Les EPA ne rendent pas compte sur ce qu'ils font au niveau programmatique, mais aussi au niveau financier. À qui? En fait, ils doivent rendre compte à plusieurs acteurs. D'abord, la tutelle technique. Le ministère, par exemple, s'il s'agit d'un EPA, par exemple, qui s'occupe d'une formation ou de la formation de manière générale, ça doit être au ministère qui sont en charge de la formation. Par contre, tout ce qui est compte rendu financier, les EPA doivent rendre compte au ministère du budget. Bien. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, que le ministre du budget a initié ce projet. Cette revue annuelle des établissements publics administratifs. Donc, le pourquoi de cette revue annuelle des établissements publics administratifs, globalement, c'est que le ministère du budget a constaté que l'État central n'a pas la même mise, ou sinon n'a pas une maîtrise de ces EPA qui existent en nombre important un peu partout, mais l'État central n'a pas du tout la maîtrise de ces EPA, et du point de vue fonctionnement, du point de vue recette et tout. C'est ce constat que vous avez fait. C'est ce constat qui nous a conduit à prendre cette initiative. Bien. En fait, pour que nos auditeurs comprennent, c'est que comme les EPA vivent de subventions de l'État, à ce titre, il est important que l'État s'assure que les dépenses effectuées par ces EPA sont des dépenses qui sont efficaces, qui ont un impact sur le terrain. Parce qu'en réalité, un État comme un acteur privé fonctionne à budget contraint. Donc c'est seulement les priorités de l'État qui devraient être financées, et c'est seulement les priorités qui ont un impact sur la vie de nos citoyens qui devraient bénéficier, on va dire, d'un appui financier de l'État. Pourquoi il a fallu tout ce temps pour que le ministère du budget aujourd'hui prennent conscience qu'il y a des établissements publics administratifs qui existent un peu partout, pour beaucoup d'entre eux qui font des recettes. Bien sûr qu'ils sont subventionnés annuellement ou trimestriellement par l'État, mais qui font des recettes, qui accumulent, qui comment on va dire, mobilisent des recettes. Mais peut-être qu'ils ne rendent pas compte. Est-ce que ce n'était pas tardif, même si c'est bien, cette initiative de la revue des EPA? Je pense que ce n'est jamais trop tard pour bien faire, M. Diallo. Je pense aussi que le ministre du budget actuel n'est pas le premier ou le seul à savoir que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Peut-être que la différence, c'est de prendre des initiatives pour trouver une solution rapide. Il faut aussi savoir ce que historiquement... Non, je vais dire, maintenant que c'est Doumbouya, donc, qui prend l'initiative de dire il y a des recettes sûrement qui nous échappent parce que les EPA ne rendent pas compte au ministère de tutelle, en tout cas financièrement, au ministère du budget. Si c'est lui qui prend conscience, alors que ses prédécesseurs en avaient conscience aussi, mais n'ont pas pris les mêmes mesures, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y avait des déperditions d'argent qui rentrait par le biais de ces EPA et qui était redistribué à quelques endroits là-bas et qui n'était pas remonté? C'est un peu ma curiosité à ce niveau. Je pense que c'est des questions que vous avez tout à fait le droit de se poser, ainsi que nos compatriotes. Mais moi, je ne pourrais donner une réponse affirmative tant qu'il n'y a pas de données ou de documents le démontrant. J'en viendrai tout à l'heure à des cas de scandale, des cas de scandale qui ont miné certains EPA, certains établissements publics administratifs. Je vais vous citer tout à l'heure certains cas. Mais ça, oui, ce que j'ai envie de dire, ce que l'important aussi, c'est que cette initiative qui est prise, elle permettra de prévenir en fait ce que vous dénoncez là. C'est-à-dire que les déperditions, c'est une manière de les éliminer. C'est parce qu'en réalité, c'est
pas facile de contrôler des acteurs qui n'ont pas des textes, enfin qui n'ont pas tous les textes qui encadrent leur activité. Bien. Parce qu'en réalité, ce sont les procédures qui indiquent qu'est-ce qu'un acteur est habilité à faire ou pas. Et ce qui va aussi montrer l'importance de ces revues, c'est que si au bout du processus, si par exemple après le mois de septembre, on se rend compte que l'État arrive par un meilleur contrôle à mobiliser beaucoup plus de ressources, c'est là, à ce moment-là, que nous nous dirons qu'il y a effectivement des évidences, des preuves, qu'il y avait des déperditions. Parce qu'à ce stade, à ce stade, nous analysons les documents qui nous ont été fournis, nous n'avons pas toutes les informations sur la santé financière de ces établissements, donc je ne suis pas en mesure de dire aujourd'hui ou d'affirmer que voilà, il y avait des malversations. Maintenant, si au diagnostic, à l'analyse des dossiers, on s'en rend compte, de toute façon, la revue conduira à l'élaboration de rapports sur chacun des EPA, mais aussi un rapport de synthèse. Et je pense que ce sont ces rapports-là qui vont nous édifier. Et s'il y a des mesures à prendre, c'est à ce moment-là. Mais j'aimerais aussi que M. Diallo, on comprenne en fait la méthode et la perspective. En fait, l'idée d'organiser ou d'améliorer la gouvernance des EPA, c'est d'inclure en fait une approche participative, une approche ouverte pour prévenir, on va dire, les malversations. Parce que partout où il y a la lumière, il y a moins de détournement de fonds. Donc c'est ça l'objectif, donc prévenir. Parce que aussi quand vous... Et c'est justement là où j'arrive finalement, de dire, après le pourquoi la revue annuelle des établissements publics administratifs, pour une première d'ailleurs, les objectifs principaux que vous visez derrière cette démarche, cette revue annuelle, c'est quoi en gros? Alors, à court terme, c'est-à-dire ce que nous recherchons juste au mois de septembre, c'est identifier tous les EPA. Avoir un répertoire. Un répertoire des EPA, de leurs responsables, est-ce que vous voyez, des domaines d'activité. Et donc, une fois que ce travail effectué, ce document est consolidé, c'est de travailler aussi à finaliser les textes manquants. Parce que vous voyez, lorsqu'un directeur d'EPA vous dit que je n'ai pas, on va dire, je n'ai pas de comptable désigné par le Trésor ou le ministère de l'Économie et des Finances, c'est donc aux autorités ministérielles de prendre ces initiatives. Maintenant, à moyen terme, qu'est-ce que nous voulons? C'est d'introduire la redevabilité, et introduire aussi une gestion basée sur, axée sur les résultats. C'est que tout franc guinéen dépensé doit avoir un impact. Est-ce que vous voyez? Et les activités aussi des EPA doivent s'inscrire dans le cadre du plan de développement économique et social, parce que la Guinée a maintenant un plan unique de développement économique et social. Avant, nous avions plusieurs plans et ce n'était pas évident de se retrouver. Donc, tout ce qui sera fait au niveau des EPA doivent participer à l'atteinte des objectifs que le gouvernement s'est donné. Dans le PNDS. Voilà, au niveau du PNDS. Donc, l'objectif premier de cette démarche du ministère du Budget, de faire la revue des EPA, c'est d'inciter les EPA à rendre compte tout à fait de leur gestion, des subventions qu'on leur donne, mais aussi de ce qu'ils engrangent comme recettes, non? Tout à fait. Monsieur Diallo, c'est la meilleure des manières de s'assurer que eux, ils vont bien gérer. Vous et moi, lorsqu'on nous dit que nous devons rendre compte, ce qui nous amène à être prudents dans ce que nous faisons. Et lorsqu'il n'y a pas de redevabilité, les gens vont penser que les choses peuvent se faire dans un petit coin. Est-ce que vous voyez? Et en réalité, ce que nous voulons éliminer pour inciter, en réalité, un administrateur n'a pas à s'occuper des questions morales et autres. Est-ce que les gens sont corrompus? Est-ce que les gens sont honnêtes? Un administrateur crée un cadre d'incitation qui est positif, qui encourage, on va dire, les actions qui participent à la satisfaction de l'intérêt général, à la satisfaction des besoins des populations. Alors, est-ce que cette revue, ça va être tout simplement une première fois ou est-ce que ça va être institutionnalisé? À chaque année, il y aura, ce ne sera pas une première et une dernière, c'est ça la question. Ce n'est pas une, c'est une première, mais on ne veut pas que ce soit une dernière. Mais je pense que ce cap-là,
sera fixé par le ministre et ses homologues à l'issue de la revue. Parce qu'encore une fois, ce que aussi le ministre dit souvent, au lieu de dire de prendre des décisions de manière systématique, sans, il y a besoin en fait de s'informer, de baser en fait les décisions sur une analyse de la situation. Parce que des bonnes idées peuvent se révéler par la suite des fausses bonnes idées. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la revue qui nous permettra de se prononcer, mais je pense que d'ores et déjà, on sait que il sera pertinent d'avoir, on va dire, régulièrement cet espace où les EPA doivent présenter leur rapport d'activité, leur rapport financier, ce qui permettra au gouvernement, l'ensemble des ministres, de se prononcer sur la performance de ces EPA. Ce que aussi les téléspectateurs doivent noter, c'est que l'initiative pour rationaliser les dépenses au niveau des EPA est une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme qui vise, on va dire, la rationalisation des dépenses de manière générale. Bien. Il faut savoir qu'il y a un agenda pour introduire la transparence budgétaire, ça a déjà commencé. Le ministère, la direction nationale, par exemple, du budget, a produit pour le trimestre précédent, mais aussi pour ce trimestre, un rapport sur l'exécution budgétaire. Bien. C'est ce qui permettra aussi aux populations, mais aussi à la société civile, aux médias, d'être au courant, de s'informer sur comment les ressources de l'État sont utilisées. Bien. On va continuer le débat tout à l'heure sur cette démarche, cette initiative du ministère du Budget, visant donc ce qu'on appelle la revue annuelle des établissements publics administratifs. Le débat, on va le continuer tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pause T. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous le constatez, toujours à mes côtés sur ce plateau, Monsieur Mamadou Barry, je dirais Docteur Mamadou Barry, économiste assistant du ministre du Budget. La question, ou sinon le sujet, c'est la revue annuelle des EPA, les établissements publics administratifs, initiative prise pour la première fois par le ministre du Budget. Et quel est le constat qui les a amenés à cette démarche? Il a évoqué tout cela. L'objectif visé, il les a aussi rappelé tout à l'heure. Je m'intéresse à nouveau à l'objectif premier que vous avez dit de cette revue annuelle des EPA, c'est-à-dire avoir un répertoire des EPA, des établissements publics administratifs. Est-ce que vous avez, quel est le mécanisme par lequel justement, à la fin ou au début de la revue, c'est-à-dire le 4 septembre, vous vous direz oui, on a un répertoire exhaustif, parce qu'on nous laisse entendre qu'il y a ces établissements publics comme ça qui ont été créés depuis que l'administration guinéenne existe, on va dire. Des fois, on ne sait même pas qu'ils existent. C'est-à-dire que tous les régimes se succèdent, mais on ne sait pas s'il y a des, il y a des gens qui profitent de certains services. Quand j'évoque, par exemple, le cas du fonds de garantie automobile, j'ai appris, par exemple, que c'est un fonds qui n'est connu de personne, en tout cas pas de la haute autorité, mais qui existe pourtant, qui fait des taxes, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des services comme ça qui ne vont pas vous échapper? Qu'est-ce qui vous garantira que tout le monde se sera fait répertorier à l'occasion de cette réunion? Alors, pour s'assurer que tout le monde sera identifié, il faut des mécanismes. Ces mécanismes, c'est quoi? C'est de s'assurer que les gens, que les établissements publics, pour être ouverts, suivent la procédure qu'il faut. Parce que vous voyez, aujourd'hui, en réalité, notre loi organique relative aux lois de finances, par exemple, ne permet pas de créer de nouvelles charges, donc y compris créer en réalité un établissement public administratif, parce que ça crée des charges, sans informer ou sans obtenir l'approbation, par exemple, des ministres qui encadrent la gestion des finances, notamment le ministère de l'économie et des finances sur ces questions-là. Donc ce sont ces mécanismes-là qui doivent être respectés, parce que si ce mécanisme est respecté, toute structure créée est bien identifiée dès le début. Donc là, on recense. Mais on va en fait s'assurer que les gens respectent les procédures pour créer. Ensuite, je pense qu'il pourra s'avérer nécessaire d'avoir un organisme dédié ou un service dédié pour suivre en réalité le travail ou les activités des EPA. Est-ce que vous voyez? Et donc, je pense que par ces éléments-là, dans la durée, on peut arriver à l'exhaustivité. Encore une fois, dans la durée. Ce n'est pas, on va dire, un objectif de 2 mois, 3 mois.
Là, nous entamons un processus avec les EPA qui sont actuellement identifiés, parce que vous voyez, mais l'objectif, bien entendu, c'est arriver à identifier tout le monde, identifier les acteurs qui les animent, s'assurer que les textes de nomination ou les textes qui encadrent les activités de ces CGA sont des textes qui sont réguliers, qui respectent, on va dire, l'esprit de la loi organique relative aux lois de finances. Donc c'est tout ce travail-là qui sera fait tout au long. Bien. Mais il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est une seule activité ponctuelle, c'est-à-dire celle qui se tiendra au mois de septembre, qui va régler le problème. En fait, c'est un début. Alors, je m'intéresse à l'autre objectif qui est de rationaliser les dépenses de l'État, mais peut-être aussi les recettes, puisque c'est des services aussi qui engrangent de l'argent, qui collectent des fonds auprès des entreprises privées ou tout comme des citoyens. Alors, est-ce que ça veut dire que le ministère du budget, volet finance, aura un regard sur ce qu'on peut appeler souvent des scandales? Parce qu'il y a des fois la presse qui lève le coin du voile sur certains scandales financiers qui concernent des établissements publics administratifs. Je prends le cas, par exemple, de la société de transport public Sotragui, à un moment donné où le conseil d'administration n'avait plus la maîtrise du directeur de cette Sotragui, qui, à la fin, on a dit qu'il a détourné quelque chose de 100 milliards ou je ne sais pas combien, beaucoup de milliards de toute façon, et qui est parti avec. Vous avez la question de... du service des chargeurs, l'Office national des chargeurs, où on a parlé de détournement aussi de milliards et des milliards. On ne sait pas où on en est aujourd'hui, est-ce qu'ils ont rendu compte. Il y a des EPA comme ça qui sont minés par des scandales financiers. Alors, au bout, est-ce que c'est un des objectifs de cette revue que le ministère ait aussi un regard de contrôle sur ces cas comme ça, alors, de scandale? Je ne sais pas si, par exemple, la Sotragui est un EPA. Je pense que c'est une société mixte. Par contre, bon, la question que vous posez reste pertinente. Bien. C'est-à-dire société ou EPA, les acteurs qui bénéficient d'une subvention de l'État, d'un soutien de l'État, ou les acteurs que l'État a autorisé à prélever, on va dire, des ressources, ces acteurs doivent rendre compte. Et je pense que c'est vraiment la volonté du ministre du budget. Mais la première action en réalité, lorsque vous êtes à responsabilité, et son diagnostic, je pense qu'il est pertinent, c'est d'abord, j'ai envie de dire, éliminer les pertes nouvelles. Est-ce que vous voyez? Donc prévenir. Et prévenir consiste à faire quoi? Les obliger à rendre public, les obliger à s'inscrire dans le respect des procédures. Parce que si on respecte les procédures et que les choses en réalité ne se font pas dans un petit coin, il devient difficile en réalité de détourner. Mais est-ce que vous allez tenir compte que des rapports qui peuvent être des fois maquillés, biaisés, tout à fait, sans tenir compte des scandales évoqués par la presse? Écoutez, un examen sérieux arrivera toujours à montrer qu'un rapport a été maquillé ou pas. Ça, je pense que nous allons, ou le ministère du budget va être très rigoureux en la matière. Par contre, il faut aussi, pour faire comprendre à nos populations, le ministère du budget n'est pas le ministre de la justice. Absolument. Il n'est pas un procureur. Il n'est pas le ministère des audits. Est-ce que vous voyez? Bien. Et il y a en fait des corps dédiés pour l'inspection. Par exemple, il y a l'inspection générale des finances, il y a l'inspection d'État au niveau de la présidence. C'est l'animation aussi de ces corps-là qu'il faut, on va dire, améliorer ou questionner pour... La bonne gestion des EPA. Exactement. Parce qu'en réalité, l'État, c'est un ensemble. Chaque acteur a un périmètre qu'il gère. Je pense que le ministère du budget actuellement essaye d'améliorer, on va dire, la situation en ce qui concerne son périmètre. Mais bien entendu, un mouvement semblable est souhaité au niveau des autres acteurs. Et il faut aussi, je pense, en termes de diagnostic, qu'on soit lucide. On ne peut pas tout de suite se mettre à la poursuite de tout le monde, de tout ce qui n'allait pas. Bien. Lorsque les choses étaient assez élargies, étaient de l'ordre du système, ce qu'il faut d'abord, c'est restaurer l'État, restaurer des bonnes procédures. Et par la suite,
la société civile, les représentants de l'État au niveau de la justice vont faire aussi leur travail. Mais la vigilance des médias dont vous faites preuve est aussi utile pour ce genre de choses. Surtout qu'on a énoncé beaucoup de scandales et je le dis, c'est important. Si toutefois le ministère, dans cette démarche-là, il tient compte. Et le cas de l'OGC est un cas assez palpable où on a parlé d'énormes pactoles, notamment des milliards. On ne sait pas encore où c'est parti. Non, c'est un dossier que je ne connais pas très bien. En réalité, c'est pourquoi On vous le recommande. On vous le recommande. Mais je vais essayer de vous y intéresser. Bien. De m'informer davantage. Alors, on va évoluer. Cette fois-ci, parler en attendant justement que cette revue se passe, puisque c'est programmé à partir du 6 au du 4 au 6 septembre à venir là. Oui, à l'hôtel. Et donc, comment ça va se passer? C'est important que vous éclaircissiez la partie. Ce sont les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux qui seront tous les invités. Comptables, on va dire les cadres qui administrent ces CPA. Ce que vous voyez, pour faire relativement exhaustif. Ils seront là. Je pense qu'il y a à peu près 4 à 5 personnes sont attendues pour par structure. Par structure. Mais eux le savent, des courriers ont été envoyés et de manière beaucoup plus précise. Mais encore une fois, l'idée, ça va consister à faire quoi? Les EPA vont présenter leur situation, ce que vous voyez. Et devant, on va dire, les responsables du ministère du budget, et je pense que le ministre souhaitera que les ministères techniques, donc par exemple, si c'est des EPA qui s'occupent de l'éducation, donc les ministères qui s'occupent de l'éducation participent, et d'ailleurs ça rendra, on va dire, ça va améliorer l'efficacité du dispositif. Donc c'est ce cadre, mais il faut savoir aussi que les médias vont être invités, la société civile va être invitée. L'idée, encore une fois, c'est de fonctionner avec l'esprit d'un budget ouvert. Ce que les gens aussi doivent savoir, c'est que le président de la République a ratifié les traités qui engagent l'État guinéen à avoir un budget ouvert. Bien. Donc un budget qui... Et c'est quoi un budget? Un budget ouvert, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple dans le sens où c'est que les informations qui concernent l'exécution, d'abord l'élaboration du budget et son exécution, est partagée avec les populations. C'est compliqué dans le sens où c'est pas trop notre tradition en Guinée, donc il faut faire évoluer les mentalités, il faut faire évoluer les textes. Donc le cas en Guinée, c'est que c'est un budget fermé. Je ne vais pas reprendre si ce n'est pas certains députés souvent qui nous ont donné le budget de l'État, c'est difficile d'en avoir auprès des ministères. Maintenant, c'est possible. C'est une triste réalité en Guinée. Honnêtement, c'est possible, M. Diallo, bien. Parce que le site, par exemple, du ministère du budget met à la disposition toutes les lois de finances, met à la disposition les rapports d'exécution. En fait, j'encourage aussi les Guinéens en réalité à s'informer sur ces choses-là. Bien. Parce que sans finances publiques bien gérées, sans une bonne gestion des finances publiques, vous ne pouvez pas en fait espérer un développement. C'est comme pour un individu. Si vous ne gérez pas très bien vos revenus, vous ne pouvez pas espérer vous avoir une maison un jour. Vous ne pouvez pas espérer vous acheter une voiture. Donc l'État aussi c'est pareil. Et donc il faut que les gens s'intéressent à la chose, on va dire, aux finances publiques. Je sais que c'est compliqué parce que c'est souvent des vocabulaires techniques qui sont utilisés. Moi, je me suis donné le défi lors de cette émission d'en parler sans utiliser beaucoup de technicité. Et on va terminer sur cette autre question. Autre réforme pour rationaliser les dépenses de l'État ou les recettes, si vous pouvez nous en citer très rapidement. Effectivement, le ministère est engagé dans plusieurs réformes. Je vous ai parlé de la transparence budgétaire qui s'est traduite par exemple par la production d'un guide des citoyens pour ce qui est du budget. Le guide des citoyens. Voilà, il y a un guide qui est en cours de finalisation pour ce qui est des impôts. Parce que vous voyez, les rapports d'exécution trimestriels sont maintenant élaborés et publiés. Bien. Il faut que les gens s'y intéressent. La subvention par exemple des collectivités locales. Moi, je viens d'un village, donc ça m'intéressait beaucoup de savoir est-ce que les communautés rurales, les communes rurales obtenaient ou arrivaient à recevoir l'intégralité de leurs ressources. Budget. Lorsque le ministre Doumbouya est arrivé en poste, ce fut un cheval de bataille. Aujourd'hui, les collectivités reçoivent directement les ressources, donc ça ne passe pas par plusieurs intermédiaires pour éviter effectivement... Parce qu'avant, les budgets des collectivités passaient d'abord par les ministères, passaient par la préfecture... Exactement. Le gouvernorat, il y avait toute une chaîne.
Mais en réalité, tous ces acteurs-là vont être consultés sur la partie administrative. Parce qu'en réalité, il est important aussi que ces acteurs soient consultés sur la partie administrative. Et pour éviter le risque qu'on émiette le budget, que chacun lève sa part. Par contre, le transfert des ressources se fera directement. C'est une autre innovation. Exactement. Yeah. Et il y a aussi une volonté de rationaliser l'achat des billets d'avion. Ils sont en train de finaliser un projet qu'ils appellent IBIASI. Pour des missions. Oui, mais en fait, les gens sous-estiment, mais c'est important dans Absolument. Le budget de l'État. Absolument. Les missions à l'étranger. Parce que les gens surfacturent les billets pour les missions. Mais ce qui est déjà fait, parce qu'il y avait des gens, par exemple, qui avaient une mission à Abidjan, qui prenaient l'avion, passaient d'abord par Paris avant de descendre à Abidjan. Ouais. Parce que vous voyez, maintenant, le ministre a Ou qui voyagent en classe première, à faire, au lieu d'aller. Ce n'était pas nécessaire. Et donc, le ministre oblige maintenant les agences de voyage à indiquer sur leur billet l'itinéraire. Bien. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont toutes ces petites choses-là qui moralisent un peu. En tout cas, qui pourraient réduire les déperditions. Ouais. Aujourd'hui aussi, c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup nos opérateurs économiques. L'État élabore un plan d'engagement, un plan de trésorerie. Ce qui fait que, par exemple, lorsque des acteurs sont des fournisseurs de l'État guinéen, cela améliore, on va dire, la chance d'être payé au bout sans qu'il y ait des dettes extérieures. Parce qu'avant aussi, on engageait des dépenses et au bout de la chaîne, il n'y avait pas toujours les recettes. Donc finalement, les opérateurs économiques n'étaient pas payés. Bien. Ça a conduit à beaucoup de difficultés. Mais dorénavant, il y a un plan d'engagement, un plan de trésorerie. On s'assure qu'il y a une rencontre entre les deux et qu'il n'y ait pas de déficit ou de difficulté pour les opérateurs économiques. Ce n'est qu'un début puisque la revue annuelle des EP en tant que telle est prévue entre le 4 et le 6 septembre prochain. Nous reviendrons là-dessus et nous vous aurons pour donner les conclusions de cette revue à l'arrivée. Merci déjà d'être passé dans cette émission. Et merci, monsieur Diallo. À très bientôt. Merci pour votre invitation. Merci. À vous, merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.